Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13h. Le journal Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, voici le sommaire avec la une. La fin de la 15e édition des Journées nationales des communes du Mali, tenue du 11 au 13 mai ici à Bamako. Les élus recommandent notamment un espace pour construire un palais pour les élus locaux. Ils demandent également à améliorer le statut des élus locaux. Nous ferons le point dès le début de cette édition avec Fousseni Tunkara. Invité de ce 13h dimanche, Dr Bouguna Hansogoba, il est le rapporteur général du SINCER, du SINCER ANR. Il nous fera le point du rapport remis récemment au président de la transition. À suivre toute l'actualité internationale dans ce 13h dimanche. Et puis le journal des sports, ce sera avec vous. Famourou Diourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? La page sport sera consacrée essentiellement au football. Les demi-finales de la CAN de moins de 20 ans se jouent ce dimanche. Le Mali sera face au Maroc. On parlera également des demi-finales de la Coupe du Mali et de la Ligue des Champions de la CAF. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes à ne pas manquer. Puis Focus Santé en fin de journal apporte ce dimanche sur la consommation de l'eau glacée. Quel impact sur notre santé? Rendez-vous en fin de journal avec Baraki Sawatara. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement, tout de suite les détails. Avoir un espace pour construire un palais pour les élus locaux, améliorer le statut des élus locaux. Deux principales recommandations issues des travaux de la 15e édition des Journées nationales des communes du Mali, tenue ici à Bamako du 11 au 13 mai. Cette plus grande rencontre des acteurs au développement au niveau local a été clôturé hier sous la présidence du colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Reportage, Fousseni Tunkara. Après 3 jours de réflexion et d'échanges sur des panels liés aux réformes politiques et institutionnelles, au processus de la décentralisation et son financement, ainsi que des questions de paix et de sécurité, les participants à cette édition des Journées des communes du Mali se sont mis d'accord sur plusieurs recommandations. Des recommandations qui résument l'ensemble des préoccupations des élus locaux. Yacouba Traoré, président de l'Association des municipalités du Mali. Ce que nous avons comme recommandation, c'est d'abord l'amélioration du statut de l'élu local. Un deuxième point, non moins important, c'est la protection juridique et même physique de l'ensemble des élus dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, nous nous demandons humblement aux autorités de notre pays de nous octroyer de l'espace afin que nous y édifions avec le concours de nos partenaires un hôtel des élus. Une autre requête, et nous demandons humblement en tout cas aux autorités de l'État de faire en sorte que nous soyons, l'association des municipalités soit déclarée d'autorité publique. Les aspirations ainsi formulées sont consignées dans un document et destinées aux plus hautes autorités. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre en charge de l'administration territoriale. Je voudrais vous rassurer que le mémorandum remis fera l'objet d'un examen objectif. Je ne doute point que votre sens de responsabilité et votre engagement renouvelé vous guident dans toutes vos prises de décision dans la gestion des affaires locales. En effet, la bonne gestion des ressources des collectivités territoriales engendrera un essor économique et social favorisant l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Nous savons que l'objectif de développement tant attendu des collectivités territoriales ne saurait être une réalité tangible sans un appui soutenu. Pour ma part, je puis vous assurer que le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ne ménagera aucun effort pour améliorer les conditions de travail des élus locaux. De l'avis des participants, cette rencontre a comblé les attentes. Il accorde une mention spéciale aux autorités de la transition pour la reprise de ces rendez-vous des acteurs du développement local et rassure également de leur disponibilité pour la réussite du référendum du 18 juin prochain. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation vient de remettre son premier rapport annuel au président de la transition. 5 axes sont énoncés pour mettre en œuvre les 517 recommandations en 3 catégories. 55 actions prioritaires, 153 actions prioritaires complémentaires et 309 actions non prioritaires pour la période de la transition.
On en parle avec l'invité de ce 13h dimanche, Dr Bouguna Sogoba, rapporteur général du Sincère ANR. Monsieur Sogoba, bonjour. Bonjour. Alors, rappelez-nous d'abord les recommandations phares issues des Assises nationales de la Refondation. Pour résumer les recommandations phares, nous avons la nouvelle constitution et la valorisation des mines pour que l'or brille pour les Maliens. Nous avons également l'opérationnalisation des nouvelles régions et la fonctionnalité des collectivités territoriales. Et nous avons un total de 517 recommandations issues des Assises nationales de la Refondation qui se trouvent consignées dans un document rapport des Assises nationales de Refondation. Donc, en termes d'action concrète, à ce jour, qu'est-ce qui a été réalisé depuis la fin des ANR? Depuis la fin des ANR, nous comptons 12 recommandations qui ont été réalisées sur les actions prioritaires et 34 autres recommandations qui sont en cours de réalisation. Pour les actions prioritaires complémentaires, nous avons la réorganisation du territoire, qui est la seule activité qui a été réalisée totalement au niveau de ces recommandations. Et sur les 309 recommandations qui sont non prioritaires pour la période de la transition, il y a 4 recommandations qui ont été réalisées. Et sur les 12 recommandations réalisées, effectivement, est-ce qu'on peut en savoir davantage? Sur les 12 recommandations qui sont réalisées, nous avons on note parmi ces 12 recommandations qui sont issues des ANR. Comme la première recommandation qu'on peut citer dans ces 12 sont la recomposition du Conseil national de transition, conformément à la charte de la transition, la relecture de la loi électorale, le choix de l'échelon région comme circonscription électorale des législatives, l'intégration de l'imprescription des infractions en matière de délinquance financière dans le code de procédure pénale, la simplification de la procédure d'obtention et la délivrance de la carte NINA en nationalisant sa confection, la poursuite de l'équipement des femmes, qui est aussi une des priorités qui a été réalisée, l'instauration du service militaire obligatoire pour les nouvelles recrues de la fonction publique, l'attribution au président de la transition le pouvoir de prendre un décret pour mobiliser les forces paramilitaires pour la défense de la patrie, la militarisation de la police et de la protection civile, le maintien du service national des jeunes pour les nouveaux admis au concours de la fonction publique, l'organisation d'une conférence sociale pour négocier un pacte social de stabilité et de croissance et la réinstauration du service civique. Voici les 12 recommandations prioritaires qui ont été totalement réalisées. Alors, quelle stratégie avez-vous adopté pour vulgariser auprès des populations le contenu de votre rapport? La stratégie que nous prévoyons, il y a ce canal des médias. Nous avons beaucoup communiqué dans les différents médias. Et ce que nous prévoyons, c'est d'aller auprès de ces populations. Les acteurs qui ont participé aux assises nationales au niveau des régions, aller les rencontrer, leur faire le point de tout ce qui a été réalisé, en cours de réalisation, pas encore réalisé, les rencontres de cet État dans toutes les régions du Mali. Ensuite, récapituler ces éléments et faire un retour d'information aux autorités et au président de la transition, chef de l'État. Alors, nous savons que des efforts sont consentis, il reste beaucoup à faire. Qu'avez-vous recommandé pour accélérer les choses? Ce que nous recommandons pour accélérer la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la Refondation, c'est de se focaliser sur les priorités et de faire une sorte de programmation mensuelle, trimestrielle au sein de chaque département ministériel en ce qui concerne les recommandations qui concernent ces différents départements. C'est en faisant une réelle planification, un suivi de cette planification qui va faire en sorte qu'on puisse mettre en œuvre la totalité des recommandations issues des Assises nationales de la Refondation, en tout cas pour tout ce qui était prévu
pour la période de la transition. Une dernière question, qu'avez-vous noté comme difficulté ou contrainte dans la mise en œuvre des recommandations des ANR? La difficulté que nous relevons est celle de la connaissance de l'ensemble des actions, de l'ensemble des recommandations par les responsables, les acteurs techniques au sein des départements. Ça, c'est une première contrainte. Deuxième contrainte, c'est la visibilité par rapport à la planification détaillée au sein des départements. Les aspects relatifs à la disponibilité des ressources pour la mise en œuvre de ces recommandations est aussi une question à se poser. Pour une efficacité dans la mise en œuvre des recommandations, il faut à la fois la planification détaillée et précise au niveau des départements ministériels, la maîtrise de ces planifications par les acteurs qui sont chargés de la mise en œuvre de ces recommandations. Mais il faut également les ressources adéquates pour effectivement mettre en œuvre l'ensemble de ces recommandations. Monsieur ou docteur Obuguna Sogoba, je rappelle que vous êtes rapporteur général du Sincère ANR. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Excellente journée. Actualité hors de nos frontières, journée décisive en Turquie où les bureaux de vote ont ouvert à 8h, soit 5h temps universel. Le pays élit ce dimanche son président, mais aussi ses députés. On en parle avec vous, Nuhum Sissoko. Bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Alors, le chef de l'État sortant, Recep Tayyip Erdogan, va tenter de remporter un troisième mandat, mais face à lui, un rival qui est donné par la plupart des sondages favoris. Hein. Un peu plus de 192 000 bureaux de vote sont ouverts dans le pays, auxquels sont appelés 60,7 millions d'électeurs, les Turcs de l'étranger ayant déjà voté. Habituellement, les citoyens turcs se déplacent en masse pour voter, avec des taux de participation supérieurs à 80%, vu l'importance de l'enjeu, c'est-à-dire le maintien au pouvoir ou le départ du président Recep Tayyip Erdogan après 20 ans de règne. On s'attend à une forte mobilisation des électeurs chez les Turcs de l'étranger. La participation a atteint 54% cette année, 4 points de plus qu'aux précédentes élections en 2018. Recep Tayyip Erdogan a souhaité ce dimanche un avenir profitable au pays et à sa démocratie après avoir voté à Istanbul. Il est important que tous les électeurs votent sans souci pour montrer la force de la démocratie turque, a ajouté le dirigeant sans prédire sa victoire. Kemal Kılıçdaroğlu, qui après avoir voté à Ankara, a déclaré de son côté que la démocratie nous a manqué à tous. Il nous a manqué d'être tous ensemble, de nous embrasser. Vous verrez, le printemps va revenir dans ce pays si Dieu le veut et il durera pour toujours. Murat, ingénieur chimiste, sort tout juste du bureau de vote où il a déposé son bulletin. Une voix pour Kemal Kılıçdaroğlu et pour son parti, le CHP, qu'il soutient depuis des années. Il a le sentiment que cette fois-ci, son candidat va gagner. Il faut que ça change enfin. Le pays est très fatigué. Les citoyens sont trop divisés. Tout va mal à un point inquiétant. L'économie, les séismes, nos relations avec le reste du monde. Je veux que le pays se calme un peu, se normalise, que toute cette tension s'apaise. Oktay, lui, a rejoint son échoppe où il vend chaque jour des bonbons d'eau minérale. Son choix est aussi limpide que l'eau de ses bouteilles. J'ai voté pour Recep Tayyip Erdogan parce qu'il a fait beaucoup de choses, porté beaucoup de projets qui ont ouvert de nouveaux horizons à la Turquie. Pour moi, son gouvernement est un succès et j'ai envie que ça continue. Alors, Nuhum Sissoko, les opérations de vote se déroulent sous haute surveillance des deux camps pour la transparence du scrutin, mais aussi et surtout sous haute sécurité. Hein? Après une campagne particulièrement tendue, le ministère de l'Intérieur a mobilisé près de 600 000 policiers, gendarmes et autres personnels chargés de garantir la sécurité du scrutin. L'opposition, qui dit n'avoir pas confiance dans les autorités électorales, a aussi pris ses précautions pour s'assurer de la régularité des résultats. L'alliance qui soutient Kemal Kılıçdaroğlu, le principal rival de Recep Tayyip Erdogan, assure pouvoir compter sur plus d'un million d'assesseurs et d'observateurs dans les bureaux de vote. Mais la fraude est une crainte évoquée par les deux camps. Le ministre de l'Intérieur a évoqué une tentative de coup d'État de la part de l'opposition soutenue par l'Occident. Et ce samedi encore, lors de l'un de ses derniers rassemblements de campagne, Erdogan a demandé à ses partisans de surveiller les urnes. La fermeture des bureaux de vote est prévue à 17h, soit 14h temps universel,
Ibrahima Traoré. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Nouhoum Sissoko, non loin de chez nous, en Mauritanie, près de 1,8 million d'électeurs étaient hier aux urnes pour un triple scrutin législatif communal et régional. Globalement, le vote s'est déroulé dans un climat apaisé avec une forte mobilisation. Et ce dossier est suivi par vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, les résultats du triple scrutin seront annoncés demain lundi par la Commission électorale nationale indépendante. Hein? Oui, Ibrahima Traoré, les résultats du scrutin doivent être annoncés dans les 48 heures selon le code électoral du pays. Les premières tendances devraient tomber ce dimanche, mais pour l'instant, aucun chiffre n'a été communiqué par la Commission électorale nationale indépendante. Seule certitude, les électeurs se sont massivement mobilisés hier. En première ligne, beaucoup de jeunes et de femmes. Un engouement notamment suscité par l'instauration cette année d'une liste nationale dédiée aux candidats de moins de 35 ans, ce qui accorde automatiquement 11 sièges de députés à la jeunesse. Hier samedi, près d'1,8 million de Mauritaniens étaient donc appelés à choisir leurs nouveaux députés, maires et conseillers régionaux. Un triple scrutin tenu non sans difficulté. Lors d'un point de presse, le parti présidentiel a dénoncé de nombreux manquements de la part de la CENI, dont le déplacement au dernier moment des bureaux de vote de leur lieu d'origine. De quoi désorienter les électeurs inscrits. Les partis El-Insaf relèvent également les bulletins de vote manquants pour les législatives. Du côté de l'opposition, on formule les mêmes critique avec un accent particulier sur l'ouverture de nombreux bureaux de vote en retard. Dans ce chapelet des critiques, l'opposition accuse également les pouvoirs d'être à l'origine de ces défaillances pour s'assurer la victoire. Quoi qu'il en soit, le triple scrutin d'hier sert de test pour le parti au pouvoir El-Insaf à un an de l'élection présidentielle. Il permettra particulièrement à l'actuel chef de l'État, Mohamed Oulou Cheikh El Ghazouani, de jauger sa bonne santé dans les urnes face à ses principaux adversaires du parti islamiste Tawassoul et la formation Sawab soutenue par le militant anti-esclavagiste Biramda Abeïda. Merci beaucoup, Bourama Traoré, pour toutes ces précisions. Présidentielle cette fois-ci au Ghana, John Dramani Mahama a été désigné ce dimanche candidat du principal parti d'opposition à l'élection présidentielle de 2024. Mohamed Sangaré, bonjour. Et bonjour, Ibrahima Traoré. Vous suivez ce dossier pour 13h dimanche. Alors, John Dramani Mahama a été choisi lors de primaires du Congrès national démocratique. Hein? Oui, tout à fait, Ibrahim. John Dramani Mahama, âgé de 64 ans, a remporté le soutien écrasant des délégués du parti qui l'ont désigné à 98,9% des voix contre 1,1% pour l'autre candidat en lice, l'ancien maire de la ville de Kumasi, Kojo Bonsu. Plus de 355 000 délégués du NDC étaient attendus dans 401 centres de vote à travers le pays pour le scrutin. Dramani Mahama avait été battu lors de la présidentielle de 2016 par Nana Akufo-Addo du nouveau parti patriote NPP et avait encore échoué en 2020. Sa victoire à la primaire de son parti ne faisait guère de doutes pour nombre d'analystes en raison de son expérience et de son influence au sein du NDC. Après deux mandats de 4 ans, le président Nana Akufo-Addo doit quitter le pouvoir en 2024 comme prévu par la Constitution. Le parti au pouvoir tiendra sa primaire en novembre 2023. Le scrutin présidentiel est prévu pour le 7 décembre 2024. Le prochain président devra répondre à la crise financière que connaît ce pays ouest africain anglophone, grand producteur d'or et de cacao, mais qui a vu la charge de sa dette exploser sous l'impact de la pandémie de COVID-19 et du conflit ukrainien. Le pays, tout comme ses voisins togolais et béninois, fait également face au risque de contagion des violences djihadistes du Sahel. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré. Au Burkina Faso, l'état d'urgence en vigueur depuis mars dans 8 des 13 régions a été prolongé de 6 mois par l'Assemblée législative de transition. L'objectif est de faire face aux assauts meurtriers récurrents des terroristes auxquels le pays fait face depuis 8 ans. Au Kenya, le bilan du massacre de Shakahola est revu à la hausse après la découverte de 22 nouveaux corps. On enregistre au total 201 morts et 26 personnes ont été arrêtées, dont le leader de la secte Paul Otengue Mackenzie, ancien chauffeur de taxi, autoproclamé pasteur de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle. On en sait davantage avec vous, la Sine Keita.
Une véritable hécatombe à Sakaola, au Kenya, 201 morts pour le moment, après la découverte de 22 nouveaux corps ce samedi. Le bilan risque de s'alourdir car les recherches continuent dans la forêt sur plus de 300 hectares de terrain. Les premiers résultats des autopsies indiquent que la plupart des victimes sont mortes de faim, des enfants étranglés, battus ou étouffés. Pour donc faciliter l'identification des corps, des prélèvements ADN ont été autorisés. Plus de 600 personnes signalées disparues à la Croix-Rouge kenyenne, une mobilisation des familles sur les lieux pour avoir les nouvelles de leurs proches suspectés d'être des adeptes de la secte. Une secte qui invitait les fidèles à jeûner pour rencontrer Jésus, dont le leader est Paul Mackenzie, pasteur autoproclamé de l'Église internationale de Bonne Nouvelle. Une commission d'enquête a été nommée par le président William Ruto afin de faire la lumière sur les circonstances de ces événements. Du côté de la justice, les investigations sont en cours et 26 personnes ont été déjà arrêtées, dont le pasteur autoproclamé. Un autre pasteur, télévangéliste, qui aurait reçu de l'argent de la part de ses fidèles, Ezekiel Odero, avait aussi été arrêté le mois dernier, mais libéré sous caution. Mais la justice kenyenne a ordonné le gel de plus de 20 de ses comptes en banque. Il est soupçonné d'avoir des liens avec Paul Mackenzie. Donc, affaire à suivre, Ibrahima Traoré. En plus bref, à présent, Moscou a annoncé ce dimanche la mort de deux responsables militaires russes sur le front en Ukraine. Les deux colonels sont morts héroïquement, a salué le porte-parole du ministère russe de la Défense lors d'un briefing quotidien. Et puis 13 personnes ont été tuées au Pakistan au cours d'une nuit d'affrontement entre des troupes paramilitaires attaquées sur leur base et des combattants dont on ignore l'identité qui ont pris des familles en otage selon une annonce de l'armée ce dimanche. Aucun groupe n'a immédiatement revendiqué l'attaque, mais les groupes séparatistes de l'ethnie baloutche mènent depuis des décennies une rébellion contre l'État dans cette province, prenant souvent pour cible les forces de sécurité. Et puis, en Thaïlande, les bureaux de vote ont fermé ce dimanche 14 mai. L'opposition caracole en tête des sondages pour ces législatives pour la première fois depuis les grandes manifestations pro-démocratie qui avait secoué le pays, rappelez-vous, en 2020, avec comme objectif réformer la monarchie. L'actualité des sports dans quelques instants. Famourou Diourté, bien installé dans ce studio. Hein. Très bien, Ibrahima Traoré. Alors, le football, d'abord, les demi-finales de la CAN des moins de 17 ans se jouent ce dimanche. Le Mali sera face au Maroc tout à l'heure à 19h temps universel. Oui, le Mali affronte un adversaire qu'il connaît plus ou moins bien pour l'avoir affronté lors de deux matchs préparatoires avant le tournoi. Ils ont perdu le premier match. Le Mali a perdu le premier match 1-0, mais a remporté ensuite le second par 2-1. En tout cas, les passionnés de football africain se préparent à vivre deux matchs cruciaux qui détermineront les finalistes de la CAN de moins de 17 ans. Alors, le 19 mai, au stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger, les jeunes talents prometteurs des quatre nations encore en lice, Sénégal, Burkina Faso, Mali et Maroc, s'apprêtent à entrer en scène, prêts à tout donner pour décrocher une place en finale et ainsi avoir une chance de décrocher le Graal qui rendra fier tout un peuple. Et même si l'aventure doit s'arrêter à ce stade, ou bien ô combien frustrant de la compétition, ces pépites en devenir du football africain pourront toujours se consoler en tentant de décrocher la médaille de bronze lors du match pour la troisième place qui aura lieu le 18 mai, soit à la veille de la finale au stade du 19 mai 1956 à Annaba. Les troupes dessus pourront aussi se projeter sur la Coupe du Monde de la catégorie à laquelle elles auront droit de participer en fin d'année. Finale de la Coupe du Mali édition 2023, ce sera une belle affiche. 11 créateurs du Niarela, stade malien de Bamako. Oui, les 11 créateurs de Niarela se sont offerts l'AS Bakaridjan dans un match âprement disputé. Les créateurs ont ouvert le score très tôt par Ousmane Konaté à la 9e minute avant d'être réduit à 10 avec l'expulsion de Siaka Sidibé à la 23e minute. Malgré cette infériorité numérique, les hommes du coach Djibril Dramé doublent la mise à la 68e minute par Lamine Camara. La réduction du score de l'AS Bakaridjan à la 80e minute ne suffira pas. Score final 2-1 pour les pensionnaires de Niarela.
La seconde demi-finale a vu la victoire du Stade malien 1-0 sur Binga FC au terme des prolongations. Si Binga FC a raté son pénalty à la 33e minute par Koumou Keïta, Youssouf Koulibaly du Stade malien a marqué le sien à la 105e minute. En finale, vous l'avez dit, 11 créateurs sera face au Stade malien de Bamako le 10 juin 2023. Ce sera la deuxième finale entre les deux les deux formations. Le Stade malien a remporté la première par 2-1 en 2015. Alors, si le Stade malien, 21 trophées recordman de la compétition, disputera sa 31e finale de Dame Coupe du Mali, les créateurs joueront leur 5e finale pour deux trophées. Championnat national de Ligue 1, à présent, la 17e journée se poursuit ce dimanche. Oui, une seule rencontre au programme ce dimanche à Koulikoro. L'AS Real reçoit l'US Bougouni. Le Real est le nouveau leader de la Ligue 1 avant même de jouer son match de la 17e journée, puisque le Djoliba AC a perdu vendredi contre Afrique Football Elite. Du coup, les Scorpions, grâce à une meilleure attaque de but que les Rouges du Djoliba, ils sont en tête au classement. Mamelodi Sundowns a obtenu le match nul 0-0 face au Wydad Casablanca ce samedi en demi-finale aller de la Ligue des Champions de la CAF. Oui, dès le coup d'envoi, les deux équipes affichent leurs intentions, donnant lieu à une entame hachée à ce jeu. Ce sont les Rouges et Blancs qui prennent légèrement le dessus et se procurent les premières occasions. Par deux fois sur corner, les locaux créent le danger dans la surface de réparation sud-africaine, procédant en contre rapide. Les Brésiliens se montrent pourtant les plus dangereux. Lancé plein axe, Peter Chaloulele croit ouvrir le score, mais le Namibien est signalé hors jeu. Nous sommes à la 10e minute. Alors, les visiteurs reprennent le dessus, notamment dans les duels. Coupable d'une semelle dangereuse, le milieu Neo Maema de Mamelodi écope d'un carton rouge et laisse ses coéquipiers à 10 avant la mi-temps. Nous sommes à la 43e minute, désormais en supériorité numérique en seconde période. Les Marocains s'installent définitivement dans le camp opposé, mis au supplice. Mamelodi est même réduit à 9 encore après un carton rouge de Marcelo Allende à la 95e minute. Alors, score final à 0-0, un bon résultat plutôt pour les Sud-Africains qui recevront les Marocains au retour dans une semaine au stade de Pretoria. Dans la première demi-finale jouée vendredi, Al-Ahly d'Égypte est allé battre l'Espérance de Tunis par 3-0. Merci beaucoup, Famourou, pour toutes ces informations sportives. Merci beaucoup. Santé dans quelques instants. Focus santé. L'eau hydrate et purifie l'organisme, mais attention, attention, pas à n'importe quelle température. Malgré l'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération qu'elle procure, surtout quand il fait chaud, boire de l'eau glacée a de nombreux effets négatifs sur l'organisme. Baraki Sawatara a voulu en savoir davantage. Focus santé. Quand le mercure atteint les 40 degrés, difficile, voire impossible, de résister à cette grande tentation, celle de boire de l'eau glacée. Malgré cette bonne sensation qu'elle donne, l'eau glacée fait plus de mal que de bien. L'eau, qu'elle soit très fraîche ou glacée, dérange la fonctionnalité normale de l'appareil gastro-intestinal. Docteur Djibril Traoré, spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutritionniste. Une fois qu'on consomme de l'eau glacée, ça entraîne une contraction au niveau des vaisseaux sanguins, ce qui peut ralentir la digestion. Donc, le résultat, c'est la constipation. Et aussi, ça peut empêcher l'absorption de nutriments durant la digestion au niveau des intestins. Et souvent, ça peut entraîner l'accumulation du mucus au niveau des appareils respiratoires, ce qui va favoriser les infections telles que la grippe. En effet, l'organisme humain a une température moyenne de 37 degrés Celsius et il assimile mieux les nutriments ou les liquides quand ils sont eux-mêmes à une température proche de la sienne. Docteur Djibril Traoré, spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutritionniste. Parce que si on consomme de l'eau glacée, l'organisme va essayer de corriger la température de l'eau à la température normale de l'organisme qui tourne aux alentours de 37 degrés Celsius. Cela peut entraîner souvent la perte d'eau à travers la sueur qui va entraîner la déshydratation à la longue.
En outre, la consommation d'eau glacée peut réveiller certaines douleurs et perturber le rythme cardiaque. L'idéal est donc de consommer de l'eau à température ambiante, c'est-à-dire une température qui varie entre 12 et 14 degrés. Dr Djibril Traoré. Ça peut réveiller des douleurs dentaires, ça peut entraîner souvent aussi des maux au niveau de la gorge. Souvent, ça peut ralentir le rythme du cœur. Le mieux, s'il s'agit de consommer l'eau, c'est de l'eau avec une température ambiante. Et souvent, même si on, après avoir sorti l'eau dans les frigos, on peut les laisser à la température ambiante quelques minutes avant de la consommer. Les spécialistes recommandent donc de boire au moins 2 litres d'eau par jour. Mais cette quantité consommée en eau glacée est susceptible de causer des problèmes de santé. Focus santé. C'était Focus Santé, une réalisation de Barakissa Ouattara, retrouvée juste après moi, Famourou Diourté, dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Grand merci à Bintou Traoré qui assure la mise en onde de cette édition avec à la mise en ligne à Sekou Traoré, à la réalisation Lassine Keïta. La coordination éditoriale est assurée par Bourama Traoré. Excellent moment de radio en notre compagnie. Au revoir.